Bonjour tout le monde, mon nom est Louis-Philippe Bonin, je suis saxophoniste, artiste yamaha et professeur au Cégep de Saint-Laurent et au Conservatoire de Rimouski. Aujourd'hui, je vous parle d'un produit que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Key Leaves. Je vais vous le présenter aujourd'hui dans le fond. Je trouve ça vraiment bien parce que ça nous permet de vraiment maximiser dans le fond l'entretien de notre instrument. C'est quelque chose qui est super important. Je vous présente ça. Dans le fond, c'est un tout petit fil ici là, en plastique mou en fait, qui est super élastique dans le fond. Puis ce que ça fait, c'est que ça permet de, lorsqu'on range le sax à la fin de notre pratique ou de notre performance, on vient placer le petit bout de plastique juste en bas de la clé du do dièse ici. Donc ça fait ouvrir dans le fond la clé du sol dièse en haut en même temps. Et on vient placer l'autre en dessous du mi bémol. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça fait que les plateaux qui sont normalement fermés, qui emmagasinent beaucoup d'humidité et beaucoup d'eau, ben ils restent toujours ouverts dans votre caisse lorsque vous avez fini de jouer. Donc ça permet une meilleure aération, puis ça permet que votre clé de sol dièse et votre clé de mi bémol grave collent pas à long terme. Pour la préservation de vos plateaux puis de vos cheminées, c'est vraiment quelque chose qui est super. Au début, moi, j'avais peur que ça endommage des clés, vu qu'on joue un peu avec la mécanique, mais pour vrai, ça fait vraiment rien aux clés. C'est un produit qui est très mou, en fait, qui a vraiment été travaillé avec des chercheurs pour faire en sorte que ben, ça endommage pas l'instrument. Et il y a aussi une autre partie à ce produit-là qui sert pour les clés de côté, dans le fond. Donc, moi, ce que je fais à chaque fois que je finis de jouer, je mets ça en haut ici. Et si vous pouvez voir, je vais les rapprocher. On a des espèces de petites feuilles, d'où le nom Key Leaves. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient les mettre dans nos clés de côté ici. C'est super simple. Puis dans le fond, ce que ça fait, je ne le ferai pas pour tout. Ça va prendre un petit 30 secondes que je ne veux pas vous faire perdre. Mais ce que ça fait, c'est que ça permet que la clé soit ouverte. Pour ceux qui prennent à cœur l'entretien de leur instrument, qui veulent pas avoir l'espèce de résistance à long terme qui se crée avec les touches qui sont toujours fermées, ben c'est vraiment un super bon outil. Ça nous permet d'avoir à changer nos tampons moins souvent. Moi, normalement, je fais changer mes tampons à tous les 5-6 ans, à peu près. Je l'ai fait 2 fois jusqu'à maintenant. Et je pense qu'avec ce produit-là, je n'aurais pas à le faire vraiment souvent parce que l'humidité, ben, va pas s'emmagasiner en fait. C'est vraiment un produit que j'ai aimé vraiment instantanément. J'ai envoyé un courriel à la compagnie. Je leur ai demandé, écoutez, pouvez-vous m'envoyer ça? Je veux vraiment essayer ça. Ça m'a l'air super. Puis effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Donc, ils font ça aussi pour le saxophone soprano. Et puis, ils font pour toutes les sortes d'instruments. En fait, toutes les key leaves sont faites à la main là, pour chacun des instruments pour être sûr que ça marche avec les modèles qui sont des fois un peu plus anciens comme les vieux Mark VI ou les instruments vraiment modernes comme le EX2 de Yamaha que j'ai avec moi. Si vous êtes intéressé par ce produit-là, allez sur keyleaves.com puis j'espère que vous allez aimer ce produit-là autant que moi. Bye bye, bonne journée.